c'est raide sa mère. J'en ai passé des époques. Des hauts, des bas, des vertes, des pas mûres. Et quand j'étais en prison, dans une époque sombre de ma vie, j'ai eu l'honneur de rencontrer mon maître. Maître Gims. C'est bien, par contre, c'est qui tous ces gens, les petits qu'il y a ici, là? C'est des gens qui me vénèrent. Tu crois que c'est le ring à ton père ici ou quoi? Si tu gagnes pas le combat, tu vas finir à Fort Boyard. Au début, avec ma meuf, tout il allait bien. On se kiffait de ouf. On tapait des grosses barres de rire. Et puis surtout, tous les jours, on arrêtait pas de ken. Puis elle a commencé à en avoir marre à cause de ma passion que je lui ressemble à Vin Diesel. Alors ça a commencé à être un peu moins la fête du slip. Sérieux là, vas-y, bouge ta main là. C'est ta copine ou quoi? Et même quand on se faisait des petits restos en amoureux, elle était vénère de moi. Et moi, je finis tes frites, s'il te plaît. Sur la tête de ma mère, touche à une de mes teufs frites, je me coupe de watts, ok? T'es sérieuse là pour des frites comme ça? Regarde-moi. Ah, là, regarde-toi, regarde. Ils sont... Je t'ai dit gentiment, touche pas à mes teufs frites. Je te l'éduque pas. Bienvenue sur Inshallah Airlines. Notre température sera de 35 degrés à notre arrivée à Pattaya. Bienvenue à Pattaya, mon frère. Ici, c'est le paradis des Kairas. Comment savoir si une meuf, elle a une teuf? Tu prends un ballon, tu le jettes à il ou elle, tu vois, et la personne se dit, si jamais elle contrôle le ballon poitrine, elle fait tête, elle fait plat du pied, elle te la remet, ça veut dire qu'elle a une teuf. Les mecs, je vous présente ma femme. Je crois qu'il y a un doute, là. Beauté, mon amour, là. Tu veux faire des gosses, elle. Toi, ça te dérange pas, comme ta meuf, puisqu'elle a une teub, en fait. Mais mon frère, toutes les femmes, elles ont des particularités. Mais pas dit, toi, ta meuf, elle était relou, je sais pas quoi. Bon, bah, la mienne, elle a une petite teub, quoi. À ce moment précis, nous deux, on pensait partir pour des vacances de ouf à Pattaya. Et lui, là, il pensait qu'on l'emmenait en pèlerinage à la Mecque. Alors forcément, tout il allait pas se passer comme prévu. Qu'on soit bien clair! Quoi? Je n'irai pas à cette full moon! Mais ça se trouve, il est mort. Puis tu connais, toi, la durée de vie d'un nain. T'as déjà vu un nain vieux? Ah non, c'est vrai, ça. Bah, y a pas, frère. À part dans Blanche-Neige, y a pas de nain vieux.